Bonjour à tous et à toutes, c'est Rekai et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va commencer une nouvelle série, enfin du Minecraft sur cette chaîne. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. C'est expliqué par la sortie de mon jeu Story of Life, la version bêta 1.00 qui est une bêta ouverte, que j'ai eu énormément de bugs à corriger dès sa sortie parce que justement il y avait plein de trucs qui n'étaient pas très optimisés parce que tout marchait. En tout cas pour les bêta-testeurs, tout marchait jusqu'à la sortie de la 1.00 et tout marchait surtout bien avant la sortie tout court, notamment l'auto-update, et j'ai dû la régler à mort. Je vous dis pas combien de temps j'ai mis pour le faire, environ peut-être 20-25 heures peut-être de travail juste pour corriger l'auto-update du jeu. Donc ça a été très compliqué, donc j'ai passé des bonnes vacances d'été à faire ça. C'était vraiment sympa, moi j'ai bien kiffé, on n'empêche de continuer mon jeu. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres mises à jour, hein, mais pour les bêta ouvertes, vous n'avez plus qu'à attendre la sortie officielle du jeu, la vraie sortie, hein, c'est-à-dire l'intégrale, pour avoir le jeu en entier, bien sûr, avec les mises à jour automatiques. Je vous rappelle qu'il y a encore des clés bêta test à gagner, il y en a encore 3. Voilà, vous pouvez essayer d'en gagner une en allant sur le site du jeu, c'est storyoflife.fr ou .ovh, comme bon vous semble. Voilà, et normalement, c'est tout. Alors aujourd'hui, on est dans un monde assez spécial, je suis en créatif. Il y a un bloc d'éponge ici qui représente le 0-0. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce... Bon, je suis bête hein, de vous demander qu'est-ce que ça va être, puisque ça sera le titre de la vidéo. Oui, je fais tout simplement une série créer un MMORPG Minecraft avec script 2.0. Pourquoi 2.0 et ne pas reprendre sur les bases de l'ancien MMORPG? Alors parce que tout simplement, l'ancien MMORPG, c'est clair qu'il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait des problèmes qui n'étaient pas montrés en vidéo, mais certains qui étaient montrés en live et qu'au bout d'un moment ça m'a agavé, c'est-à-dire les mobs par exemple, il faut les faire spawner tout simplement dans, les faire spawner via un plugin parce qu'on ne pouvait pas les faire spawner normalement et tout, selon les zones. Et plein d'autres choses, notamment des mauvaises optimisations et tout ça. Tout simplement, nous allons faire un MMORPG, pardon. Alors, pas n'importe quel MMORPG, vous allez comprendre pourquoi. Faire un MMORPG en entier, que ce soit sur Minecraft ou sur tous les autres jeux, enfin, pour n'importe quel autre jeu, créer un jeu carrément MMORPG, il faut savoir que c'est très long, surtout quand on est seul. Alors, je vais rester seul, mais on va pas faire un MMORPG entier, pas un full 100%. Je vous explique. Minecraft étant un jeu bac à sable, vous savez, survie, machin, créatif, enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez, ben, je veux pas justement supprimer cet ajout du jeu. Et du coup, c'est pour ça que je vais faire tout simplement quelque chose. Et ben, on va garder cet aspect créatif du jeu pour faire justement un MMORPG, un semi-MMORPG. Je sais pas si jusque-là vous me suivez. Donc, en gros, pour vous expliquer vite fait, donc là, je ressors juste, voilà, ça. On va repartir sur les mêmes bases, globalement, que l'ancien MMORPG. Mais tout ce qui est métier, par exemple, les métiers n'auront plus de craft custom. Les seuls craft custom qu'il y aura, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on pourra pas craft, les vraies choses, c'est les potions. Les potions, on va les faire totalement custom pour nous. La vie sera custom, les mobs seront custom, mais pas les armes, pas les armures. Tout va rester legit dans ce niveau-là. Par contre, on aura des donjons, on aura un système d'amis, de groupes, de clans, on aura enfin les guerres de territoire que je galérais à faire, qu'on pouvait même pas faire justement avec l'ancien plugin. D'ailleurs, là maintenant, on va essayer d'en faire un, mais je ne suis pas sûr du résultat encore, malheureusement, ça se verra à la suite, enfin au fur et à mesure. En tout cas, sachez que la guerre de territoire viendra en fin de série, s'il y a une fin, hein, j'espère qu'il y aura une fin. Ça viendra qu'à la fin parce que ça sera certainement la chose la plus difficile à faire au niveau du script. Par contre, on va garder donc tout ce qui est les stats, tout ce qui est le niveau, l'argent, le sprint poussé avec la barre de fin, le système de fin sur le scoreboard, on va peut-être l'améliorer, enfin je sais pas comment on va l'améliorer encore, on verra. Un système d'économie, donc ça je l'ai dit. D'ailleurs, je l'ai marqué 2 fois, donc on va enlever une fois. On aura des quêtes. Alors, pas des quêtes principales, secondaires, répétitives et des quêtes de groupe. On aura des quêtes tout court. C'est-à-dire que on aura des sortes de quêtes journalières.
des quêtes normales, et au fur et à mesure qu'on avancera, peut-être que si un jour le serveur ouvre ou quelque chose comme ça, on rajoutera des quêtes au fur et à mesure selon si les gens l'ont fini, ont fini toutes les quêtes ou pas. On créera des donjons. Il y aura des donjons, donc du coup ce qui veut dire système de comment dire, des donjons en groupe, des donjons en solo, des donjons comme ça, donc voilà, bon bien sûr ce sera recommandé de faire en groupe, mais il y aura des donjons. Je sais pas encore exactement comment. On aura un spawn de monstres très spécial par rapport à avant. C'est-à-dire que les monstres, ça va être toujours les mêmes. C'est-à-dire que ça sera voilà, des monstres normaux. Sauf que c'est là où il va falloir bien me suivre, on va dire ça entre guillemets. Les monstres, en fait, vont spawn avec un certain niveau. C'est-à-dire qu'ils vont être niveau 1, niveau 10, niveau 100, niveau 50, niveau 23, niveau 42. Voilà, vous voyez. Oui, 42. Eh bien, tout simplement, selon le niveau, forcément, la vie ne va pas être la même. La force ne sera pas la même et tout ça. Donc, on va créer déjà des sortes de fonctions que selon le niveau, il y aura plus de vie, plus de dégâts, plus de défense du mob. On aura un pourcentage en fait de spawn d'archi-monstres. Enfin, c'est ce qu'ils appellent ça par exemple. Je sais pas si vous connaissez le MMORPG Dofus. C'est un MMORPG. Bon, je pense que comme quand tout le monde a été gamin, on a tous joué à ça quand on était gamin, quand on était des gosses. Voilà, j'y ai joué, je devais avoir 9-10 ans peut-être. Voilà, aujourd'hui j'en ai 17, hein, 17 et demi même. Donc ça fait un petit moment que j'y ai pas joué. Vous comprenez, mais je me rappelais bien de ce système, c'est-à-dire qu'on avait des sortes de monstres qui étaient comme les autres, mais ils avaient un nom spécial ou des trucs spéciaux. Et ben, j'aimerais reproduire un peu ce truc-là, bon, à ma manière, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait des sortes de petits monstres avec des petits sorts un peu plus puissants ou des choses comme ça, mais des monstres rares qui pop un peu comme ça au pif. Et des mini-boss dans la nature, hein, bien sûr, des mini-boss du genre un zombie géant qui sera un mini-boss, bien sûr, hein, mais c'est un zombie géant. Voilà, qui peut faire des dégâts, par exemple. Ou, par exemple, une sorte d'araignée invisible qui lance des fils d'araignée dans votre gueule pour vous bloquer, pour vous stun, entre guillemets, et pour vous mettre, comment dire, de la lenteur, de vous attaquer, de vous faire des dégâts de poison, ou des choses comme ça, par exemple. Voilà, ça, j'ai envie de voir un truc dans ce genre, sur le jeu. Et c'est pour ça que le système de monstres va être totalement différent de ce que j'avais envisagé pour la première version de la création d'un serveur MMORPG. Et bien tout simplement, on est en 0-0, là c'est le centre, ça sera la ville principale, donc vous voyez que là j'ai fait un truc assez plat avec World Painter, le reste c'est que de la génération Minecraft normale. Voilà, j'ai juste fait un carré plat de 256 x 256 blocs, voilà, autour de moi, pour refaire justement la ville. Voilà, on fera un village et tout ça, soit j'appellerai des builders, soit je ferai avec des schématiques, on verra. Voilà. Et tout simplement, plus on va s'éloigner du centre, plus les chances de rencontrer des monstres forts vont être grandes. Jusque-là, vous me suivez, je pense. Voilà, c'est là où je vais en venir. Donc ça va être génial, je pense. C'est-à-dire qu'en gros, 1000 blocs, sur un rayon de 1000 blocs, on aura des monstres de niveau 1 à 10, par exemple. Sur un rayon de 5000 blocs, on aura les monstres de 50 à 100. Vous voyez, des choses comme ça, par exemple. Et c'est pour ça que là, ça va être intéressant, parce que ça va être justement des choses qu'on pourra faire. Parce qu'on va utiliser le spawn naturel des mobs en pleine nuit. Oui, parce que le jeu se déroulera tout le temps en pleine nuit. Ça évitera les petits problèmes, justement, de spawn de mobs. Parce que vous savez que ça, c'est le gros problème dans Minecraft. C'est que ça spawn uniquement en pleine nuit. Voilà. Donc, pour ça, c'est fait. Tout est dit. Jusque-là, ben voilà, j'ai tout dit. Et bien sûr, une autre nouveauté, c'est-à-dire qu'on avait trois classes jusqu'avant, plus un niveau requis pour les armes et tout ça, ça c'est disparu. Ça n'existera plus. C'est-à-dire que dès niveau 1, vous pourrez être full diams, épée diams. Le problème, c'est que vous aurez moins d'attaque, vous aurez moins de défense, vous aurez moins de points de vie. Et du coup, ça sera plus compliqué à taper les mobs. Comprendrez que voilà, ce sera plus compliqué à vous faire à fight. Par contre, le truc, c'est que vous pourrez être à la fois un guerrier, à la fois un archer et à la fois un mage. C'est-à-dire que vous pourrez avoir une épée, un arc, vous pouvez avoir même des sorts, voilà. Tout ça, ça sera regroupé dans un même truc. C'est-à-dire que vous ne serez plus obligé d'avoir une classe spécifique pour jouer telle, pour avoir telle arme.
Voilà, donc ça c'est pour ça, je vais tout regrouper. De plus, les enchantements seront totalement. On va essayer de customiser les enchantements. C'est-à-dire qu'en gros, on va augmenter le niveau du sharpness, on va augmenter le niveau de la protection, le niveau de tout ça. Voilà, parce qu'on aura des mobs qui vont être très puissants et qui seront, qui auront beaucoup de défense. C'est pour ça justement qu'on va augmenter ce truc-là. Et vous allez voir, ça va être génial. Donc voilà, je pense avoir tout expliqué. On aura un système de récompense 24, sur 24 heures et tout ça. On aura toujours les chats différents, c'est-à-dire chat de clan, groupe, zone, annonce. Voilà, pour le moment, il n'y a rien de VIP. Je ne veux pas faire de trucs payants. On verra peut-être plus tard. Voilà, mais pour le moment, tout sera gratuit, gratuit, gratuit et encore gratuit. Voilà, donc bah écoutez, je me mets au taf pour le premier truc. Et puis voilà, je tiens juste à préciser que. Voilà, je vais vous montrer juste le dossier. J'ai un fichier plugin qui s'appelle test. Je ne vous le montre pas tout de suite parce que j'ai fait une découverte assez surprenante et qui va être très intéressante pour la suite. Mais ça viendra quand on aura fait les premiers systèmes, notamment de la vie et tout ce qui est attaque, enchantement et métier. Une fois qu'on aura fait ça, je vous montrerai justement ce petit plugin qui fait un chaos. Hein. C'est juste un tout petit truc, un tout petit, une toute petite chose. Et vous allez voir, ça va rajouter un truc énorme au jeu. Vous allez sûrement être pas impressionné. Mais vous allez voir qu'il y a de l'idée sur certains trucs. Voilà. Je vous en dis pas plus. Voilà, bref, on se retrouve après, dès que certains trucs sont terminés. Il est minuit, je commence le dev pour la première fois. C'est parti! Thank you.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show.